Lorsqu'il s'était vu proposer de rejoindre Expo 58, le banquier s'était dit une seule chose. C'était le genre de défi qui ne vous narguait pas deux fois l'espace d'une vie. En aucun moment, il n'avait pensé au dossier congolais. Certes, le fait colonial faisait partie intégrante de la réalité nationale. La Belgique, cela allait de soi, ne pouvait accueillir la énième exposition internationale de sa brève existence sans montrer une nouvelle fois au reste du monde les succès de son œuvre civilisatrice en Afrique centrale, et plus particulièrement dans sa colonie modèle. Dans le ventre du Congo me tenait captif jusque-là, je m'en extire pas l'instant, après avoir été empoigné des jours durant par cette histoire au plus profond du Congo et de la Belgique. Une histoire faite de malheurs, de liens tissés avec un passé douloureux, pas toujours assumé, sur fond des révélations quasi inespérées, cette histoire que je crois connaître et ignorer à la fois. Né à Lusanga, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, Blaise Ndala, l'auteur de ce livre, est installé au Canada depuis 2007. Le déclic de sa carrière, il n'a que 12 ans, c'est d'avoir lu La vie et demie de Sonny Laboutansi et Entre les eaux de Yves Moudimbe, que vous connaissez certainement. Il développe très vite une écriture qui se nourrit essentiellement de fiction, romans, nouvelles, de poésie parfois. L'auteur de J'irai danser sur la danse de sur la tombe de Senghor, de Sans capote ni kalachnikov, nous offre dans le ventre du Congo, que voici. Nous sommes en avril 1958, exposition universelle de Bruxelles, un village congolais dans l'un des 7 pavillons consacrés aux colonies. 11 recrues mobilisées au pied de l'Atomium pour se donner en spectacle. Parmi ces recrues, Tchala, fille de l'intraitable roi des Bakuba, dont le périple nous est dévoilé de son Kasaï natal à Bruxelles, en passant par Léopoldville, jusqu'à son exhibition forcée à Expo 58, où l'on perd totalement sa trace. Été 2004. Fraîchement débarquée en Belgique, une nièce de la princesse disparue croise la route d'un homme hanté par le fantôme du père. Il s'agit de Francis Dumont, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles. Une succession d'événements finit par leur dévoiler le secret emporté dans un tome par l'ancien sous-commissaire d'Expo 58. D'un siècle à l'autre, le roman que voici embrasse la grande histoire pour poser la question centrale de l'équation coloniale. Le passé peut-il réellement passer? Je ne saurais véritablement vous faire l'économie de ce livre. J'invite les infidèles au livre, bien sûr, à la découvrir d'eux-mêmes. Un roman choc, brillant et incisif. Bref, de la très bonne littérature. Alors qu'on a parfois des appréhensions sur les prix littéraires, celui-ci, prix littéraire Ivoire 2021, a fini par m'enlever tout scepticisme quant à la justesse du choix opéré. Blaise Ndala, que je ne connais que de nom, mes respects. Recommandation spéciale, lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, dans l'amour des livres, n'hésitez pas. Soyez infidèles. Au revoir.